الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول البيهقي في الشعبة 37: تحريم الفروج، أي الانتهاء عن الزنا والفواحش وحفظ الفرج وغض البصر. Alors c'est la 37e branche de la foi, le fait de préserver l'organe génital de ce qui est haram, de ce qui est interdit, de baisser le regard de ce qui est interdit. Et lorsqu'il a dit préserver l'organe génital, c'est-à-dire de la fornication, de la sodomie, de la masturbation, de tout ce qui est interdit à ce sujet. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est un grand péché, un grave péché, et quelle mauvaise attitude ou quel mauvais acte. فإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى أحل الزواج وحرم الزنا. Allah تعالى a rendu halal le mariage et il a rendu haram la fornication. بل الزواج سنة للمحتاج المطيق للأهب. Alors le mariage est une chose qui est permise. Et pas seulement ça, c'est une chose recommandée pour la personne qui a les moyens pour subvenir à la charge de son épouse et qui a besoin de se marier. Il a besoin, il se trouve qu'il a besoin d'une femme et il a les moyens de subvenir à la charge. Alors ça, c'est une sunna confirmée. هذا سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. رواه مسلم. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: Oh vous les jeunes, celui qui a les moyens qu'il se marie, من استطاع منكم الباءة, c'est-à-dire il arrive à subvenir à la charge de la femme, d'une épouse, alors qu'il se marie, est-ce que ça va l'aider à baisser de son regard, c'est-à-dire du regard interdit, et ça préserve son organe génital de tomber dans la fornication. Et celui qui n'a pas les moyens de se marier, parce qu'il n'a pas les moyens de subvenir à la charge de la femme, et il se trouve qu'il a besoin de se marier, mais il n'a pas les moyens, alors qu'il jeûne, parce que le jeûne, ça va l'aider, ça va le calmer, ça va diminuer chez lui son désir. Le jeûne affaiblit le désir pour la femme. Dans ce sens-là, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج. Le prophète a encouragé les jeunes de sa communauté de se marier. Mais c'est pas seulement les jeunes, mais les jeunes, ils sont dans le besoin, parce qu'en général, c'est eux là où ils ont la force, là où ils ont l'envie des femmes. Mais sinon, même la personne qui a 60 ans et 70 ans et qu'il a les moyens et qu'il trouve qu'il a besoin, alors c'est sunna pour lui de se marier. ليس فقط الأمر محصور بالشباب حتى لو كان رجل عمره 60 أو 70 أو 80 ويجد نفسه أنه بحاجة إلى زوجة وهو مطيق للأهب، أي يمكنه أن ينفق على الزوجة، فإذا هذا يفعل، هذا يعني يسن في حقه أن يتزوج. وعن أنس بن مالك يقول جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك a rapporté que trois personnes sont venues à la maison du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils posaient la question au sujet de l'adoration du prophète عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il faisait comme prière? Qu'est-ce qu'il faisait comme jeûne? Dans ce sens-là. فلما أخبروه فكأنهم تقالوا. Lorsqu'on leur a dit qu'est-ce que le prophète fait comme jeûne, comme prière, c'est comme ils ont trouvé que c'est pas beaucoup. C'est comme ils nous voyaient, ils pensaient que il allait faire beaucoup plus. قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Alors ils ont dit mais nous sommes pas comme le prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète, Allah lui a pardonné ce qu'il a fait de ses péchés avant et ce qu'il va faire après. Le prophète aurait le pardon de Dieu. Alors nous, on a besoin de redoubler, de faire beaucoup du travail. فقال أحدهم
أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. Alors quelqu'un, l'un d'eux, il a dit, moi je vais faire la prière toute la nuit, je vais faire deux prières. قال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. L'autre il a dit, moi je vais jeûner toute l'année sans rompre le jeûne. قال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. Le troisième il a dit, bon moi je ne vais pas me marier avec les femmes. Je vais complètement m'éloigner des femmes. Et c'est-à-dire, il voulait pratiquer l'ascétisme et contenter de peu et voilà, consacrer le temps pour l'au-delà. يعني اعتزل النساء بمعنى ايش؟ حتى لا انشغل فاتفرغ لامر الاخره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète est venu et c'est comme on lui a dit qu'est-ce qu'ils ont dit. فقال رسول الله انتم الذين قلتم كذا وكذا. Le messager de Dieu alayhi salat wa salam a dit, vous qui avez dit telle et telle chose, ama wallahi lanni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Il a dit, moi je suis la personne qui craint Dieu le plus et qui pratique la piété dans la perfection le plus. Lakinni asum wa aftir. Il a dit, mais moi je jeûne et je rompe le jeûne. Wa usalli wa arqud. Et je prie et je dors. وأتزوج النساء et je me marie avec les femmes. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Alors celui qui déteste mon sharia, ma sharia, alors il n'est pas de moi, il n'est pas de ma communauté. من رغب عن سنتي هنا المراد ليس السنن النوافل. من رغب عن سنتي أي كره شريعتي التي جئت بها. وهذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أيام لا يجوز صومها، أيام العيدين وأيام التشريق، وأن أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوم. وهذه الشريعة أنه هناك أوقات لا تصلي فيها، وأن الأفضل الإنسان أن يصلي في جزء في نصف الليل فيصلي وينام حتى يرتاح جسمه، فبالتالي يقوم بأعمال أخرى. و يتزوج فالزواج سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كره هذه الشريعة فليس مني أي ليس من المسلمين. Alors سيدنا محمد il a dit, mais moi je jeûne et je rompe le jeûne, je prie et je dors et je me marie avec les femmes. Celui qui déteste ma sharia, il n'est pas de moi, il n'est pas de ma communauté, il n'est pas musulman. Celui qui déteste la sharia de سيدنا محمد. Sharia de النبي عليه الصلاة والسلام. Et il y a des jours qu'on n'a pas le droit de les jeûner, les jours de l'Eid, les jours de l'Ayam al-Tashriq. Dans Sharia Tanabi, il y a des moments qu'on n'a pas le droit de prier après la prière de l'Asr, après la prière de Subh. Voilà, il y a des temps que les fuqa ont cité, on ne prie pas. Et que dans la nuit, c'est bien que tu te lèves au milieu de la nuit et tu fais le tiers, par exemple, de la nuit dans la prière. Si tu arrives à faire la plus, fais plus. Mais si ton corps a besoin, si le corps a besoin de se reposer, tu te reposes pour par la suite, tu trouves la motivation. Et le fait de se marier avec les femmes, c'est une chose qui est recommandée. Surtout lorsque tu as besoin et tu as les moyens, alors ça c'est sunnah. Et le prophète, alayhi salat wa salam, n'a pas amené une sharia dans laquelle on punit le corps et on fait du mal à nous-mêmes. Le Nabi ma ja'a fi shari'atihi anna l'insan yu'zi nafsahu ou anna l'insan يترك الزواج. فالزواج سنة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر, تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. Dans un autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, mariez-vous, cherchez à avoir des enfants parce que ça sera une fierté pour moi que vous seriez la communauté la plus grande, la communauté la plus grande. أيضا جاء في حديث آخر, من حب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح. Alors سيدنا محمد a dit, voilà celui qui a aimé ma religion, ma sharia, alors qu'il pratique ma sunna, et parmi les sunan et les choses que j'ai amené aux gens, le fait de se marier. أنتم تعرفوا أن عيسى عليه السلام ما جاء بتحريم الزواج على رجال الدين, إنما أتباعه المؤمنون الأتقياء بعضهم ابتدع الرهبانية اللي هي ترك التنعم بالطعام والمشرب والنساء والتفرغ للآخرة لم من غير أن يجعلوها فريضة, لكن جاء بعد ذلك قوم فجعلوها فريضة. فهذا إيش؟ مخالفة لما جاء به عيسى.
ومن جاء بعدهم ليس فقط جعل فريضة بل نسب أيضا إلى عيسى الألوهية، ومن جاء بعدهم أيضا كذب، مع هذا أيضا كذب محمد، فإذا جعلوها فريضة هذا شيء مخالف لشريعة عيسى، ونسبوا الألوهية لعيسى فهذا شيء خطير أخطر من الأول، والأمر الثالث تكذيب محمد أيضا هذا أيضا شيء خطير. فهنا قال تعالى فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها أن توجب ما لم يوجبه الله خطير في الدين كفر، وأن تعتقد الألوهية في عيسى كفر، وأن تكذب محمدا كفر. Alors j'ai dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le mariage est sunna pour celui qui a les moyens et qui est dans le besoin, et même dans Shariat Isa c'était comme ça, mais certains parmi les croyants de la communauté de Jésus alayhi salam, ils ont voulu consacrer plus du temps pour l'au-delà, alors ils ont innové ce qu'on dit al-rahbaniya, le moyennisme, c'est-à-dire ils se contentent de peu dans la nourriture, de peu comme habit, de peu comme maison, et ils ont dit on se marie pas. On se marie pas pour consacrer tout le temps pour l'au-delà. Et alors c'était Allah les a loués sur ça. Allah les a loués sur ça. Mais lorsque certains qui sont venus après, ils l'ont rendu obligatoire. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala قال فما رعوها حق رعايتها, ils n'ont pas la respecté de la manière qu'il faut. Lorsqu'ils l'ont rendu obligatoire, c'est une falsification avec Shariat Isa. Et encore, ils ont attribué à Jésus la divinité. C'est encore pire. Et par la suite, ils ont nié la prophétie de Sayyidina Muhammad. Encore, c'est très grave le fait de redoubler l'effort, le redoubler la... le blasphème ou le fait de contredire la croyance en attribuant la divinité à un être humain et en rejetant la prophétie de Sayyidina Muhammad. Alors là, ils étaient critiqués à ce sujet. Mais à la base, ils ont pratiqué l'ascétisme. Alors c'était quelque chose qu'Allah les a loués. Mais dans notre religion, Sharia de Sayyidina Muhammad, alors c'est pas loué que quelqu'un qui a besoin de se marier et il a les moyens qu'il délaisse le mariage. في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من كان مطيقا للأهب يعني يقدر على الزواج وهو محتاج لهذا الأمر فهذا لا يستحب له ترك الزواج بل يسن في حقه الزواج يستحب له أن يتزوج تركه ليس حسنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا فإني مفاخر بكم وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى غير ذلك. Alors celui qui a les moyens et qui a besoin de se marier, s'il délaisse le mariage, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. La bonne chose c'est plutôt le fait de se marier. Imra'a ou ثنين ou ثلاثة ou أربعة, qui se marie avec une ou deux ou trois ou quatre, le mariage est limité avec quatre femmes. Amma bi shari'at Musa ma kana محددا بأربعة. Dans شريعة موسى le mariage n'est pas limité avec quatre. Elle peut aller jusqu'à 300. سليمان il avait 300. داود عليه السلام avait 99. 100 moins 1. Mais ما في إشكال. أما dans شريعة سيدنا محمد le mariage était limité à quatre. فلا إن كان إنسان يستطيع أن ينفق على هذه الأربعة ويعدل لما لا s'il arrive à subvenir à quatre femmes et qu'il arrive à être équitable envers les femmes, il est où le problème? ولو تزوج أربعة ثم طلقها بعد فد ثم تزوج أربعة وكان الحسن تزوج نحو 90 امرأة هكذا الحسن ابن علي s'est marié avec 90 femmes il se marie avec 4 après il est divorcé après il s'est marié avec 4 هذا ليس عيبا. طيب طبعا هلا لما بيتزوج هناك احكام يتعلم يجب ان يتعلم بعض الاحكام قبل ان يتزوج celui qui veut se marier doit savoir certaines règles منها ان
الكسوة والطعام والسكنة عليه مع المهر. Alors l'homme doit subvenir à la charge de son épouse la maison et les deux repas et qu'il achète les habits qu'il faut pour l'été et une fois pour l'hiver avec quelque chose en plus. والمرأة et la femme n'a pas le droit de sortir de sa maison sans sa permission. المرأة لا تخرج بيتي إلا بإذنه. والمرأة la femme ne fait pas rentrer chez lui quelqu'un qui ne l'accepte pas. لا تدخل إلى بيته من لا يرضى بدخوله, celui qui n'accepte pas qu'il rentre. ولا تتصرف بماله بما لا يرضى. Elle n'agit pas dans ses biens sans sa permission. ولا تمنعه من نفسه من غير عذر. Elle n'a pas le droit de le priver de son droit de jouir d'elle sans excuse. Voilà certaines choses à savoir et à apprendre. Bien sûr, في أحكام يعني نقول إحنا مثلا ما فيك تتزوج امرأة متزوجة أو مطلقة ولكن ما زالت في العدة. Tu peux pas te marier avec une femme déjà mariée et tu peux pas te marier avec une femme qui est divorcée mais elle est dans la période de viduité. ما هيك؟ ولا يجوز أن تتزوج بغير مسلمة أو كتابية. Tu ne peux pas te marier avec une femme non musulmane et elle n'est pas parmi les gens de livres, c'est-à-dire une femme bouddhiste ou hindoue ou athée, tu ne peux pas te marier avec elle. Il faut qu'elle soit musulmane ou parmi les gens de livres. وزواج مع أهل الكتاب مكروه لأنه يخشى على الأولاد. Une femme parmi les gens de livres, il y a un risque que les enfants seront élevés d'une manière qui contredit l'islam. Alors, c'est déconseillé. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.